Nouvelle vidéo de Zinzin les mecs, aujourd'hui on va aller tester Voct. Alors c'est un petit peu l'épisode 2, on en a déjà parlé sur la chaîne. C'est une application d'enchères en ligne. À l'époque ils étaient spécialisés dans les cartes Pokémon. Et là maintenant depuis presque un an ils se sont spécialisés dans la sneaker, le streetwear. Il y a pas mal de live là maintenant tout de suite les gars. On va aller faire nos courses, on va unboxer. Et ensuite ça sera à mon tour d'organiser un live pour vendre masse de fringues et bien sûr énormément de sneakers. Vous me connaissez les gars, la dernière fois ça s'est plutôt très bien passé avec des prix que je trouvais c'était correct pour les acheteurs et c'est aussi correct malgré le petit pourcentage de frais que se récupère Voct. Les mecs, faut bien qu'ils gagnent leur vie eux aussi, c'est normal. Moi je m'étais aussi retrouvé, c'est pratique pour vider des stocks, récupérer du cash flow et voilà pourquoi Voct est ultra pratique pour les acheteurs comme pour les vendeurs. Et bien sûr, vous avez le lien de téléchargement de l'application Voct dans la description et les commentaires. Et n'oubliez pas de venir me follow les gars, parce que voilà, semaine prochaine, ça va être incroyable. Je vous prépare deux lives de folie, mais on en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Et on n'oublie pas de liker, de s'abonner, un petit commentaire et on active la cloche. Ce mois-ci, ensemble, Side Art a gagné, plus une magnifique chaîne Chain Nation. Bonne chance à tous, on est parti, on a des achats à effectuer. Ok les gars, du coup on est sur le live de Selleg, je sais pas si je prononce bien, voilà, de Boog ultra sympathique qui nous lance une 1906 Protection Pack. On va slide un petit peu. Au choix 41,5 ou 44,5. 165. Intérieur nickel. Hop, la pointure juste là. Là pour le moment elle est pour nous à 165 €. Il faut qu'on tienne. Là on est under retail. Il reste 10 secondes. Les gars, là on fait un braquage. Ah, j'ai le démon. Aïe aïe aïe, c'est la bagarre. Là on a la paire à 185. Est-ce que c'est bon? 3, 2, 1. Yes les gars, on a une première paire. Ça fait grave plaisir. En plus, 1,44,5 les gars, c'est ma taille. Putain, il me tarde d'unboxer ça. Il y a une autre paire qui me fait grave de l'œil sur leur live. Donc, on reste gentiment à l'affût avec eux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va nous sortir? Un tapis. Ouais, là, ça, j'avoue, là, ça m'intéresse pas des masses. On a une paire de corps du roi, une dunk qui m'intéresse, que j'ai pas vu souvent. On va essayer de voir ce que ça donne, si elle monte pas trop. Comme d'hab, vous connaissez la chanson, vous écrivez votre pointure dans les coms une fois que vous avez remporté l'enchère. Très très beau coloris, cote aux alentours des 170 €. Là, c'est une paire qui est en train d'exploser tranquillement. Elle est vraiment stylée. On va essayer de la voir là pour 160. Il faudrait pas dépasser les 160, je pense, sur ce modèle. Ouais, elle a l'air vraiment stylée. Hein. Voilà, box nickel, facture aussi dispo. Ok, let's go, c'est win sur la corde du roi. Une petite dunk low là pour meuf, ça fait plaisir. Une tarte de la recevoir et de voir la qualité plus en détail. Et ouais, franchement pas mal. Alors au début j'étais pas chaud sur leur tapis, mais ils en ont passé 3 ou 4 là depuis tout à l'heure. Et finalement je suis hypé sur le tapis Travis Scott. Je sais pas qui c'est qui produit ça très exactement, je leur ai posé la question. C'est pas Jordan, c'est pas Travis, c'est pas Nike. Mais il a l'air stylé quand même. Est-ce qu'on le joue vraiment à 30 €? J'ai bien un chat qui va aller dormir dessus, donc on va faire plaisir un petit peu. 43 €, ok. 44 €, ça fait cher là le tapis, non? Ah, celui-là est incroyable, une tuerie. Ouais, celui-là est très très cool les gars. 43 €, 44 les gars. Allez, on se monte ça. 49 €, ça surenchérit. Hein. Je me bats avec Coluche 38. Je pense que lui il va pas me lâcher. Il est toujours pour Coluche à 50 €. On slide 52 €. 49 par Alex qui lâche pas. Voilà les gars, c'est ce genre de bataille qu'on veut voir. On est à 50 par Coluche, 52 par Alex. Ah là là, 56. Je crois que je lui laisse. Ah, je pense que je lui laisse. Oh, 60 balles le tapis. Là c'est trop cher pour moi. Je passe le tapis, les gars, tant pis, on le regardera pas et mon chat il dormira dans la panière et puis c'est tout. Hein. Et là, apparemment, ils sont chauds d'envoyer la Air Force One Travis Scott, c'est la OG. Je l'ai jamais eu, les gars, donc ouais, il faut qu'on unboxe ça. Ça va me coûter un bras, les refs, s'il vous plaît, on n'oublie pas son meilleur like. Là, je me ruine pour vous. On a toute la planche Travis Scott avec tous les swoosh dispo. Donc, comme vous connaissez la paire, les swoosh se scratch sur cette paire. Facture Nike, les gars, d'origine.
Et le banger, les gars, on y est avec toutes les grises devant. Donc là, on a les grises ici sur cette paire comme sur l'autre. 400 euros déjà. Coluche, on va se bagarrer. J'ai bien fait de lui laisser le tapis. Il a 60 euros en moins sur son compte en banque. Mais là, j'ai peur qu'il ne lâche pas du tout. Il y a Misaï aussi. On est 3 sur la paire apparemment. Je suis renchéri direct. Comme ça, je montre que je suis déter. On est à 500 euros. 530 euros. 531. Wow, Misaï. Ah là là, je crois que j'irai pas plus loin, les gars. Je crois que là, c'est ma dernière proposition. Oh là là, on l'a les refs, 551 euros, je pète mon crâne, je suis ruiné, mais c'est le jeu des enchères. Oh là là, mais combien je viens de cramer là, je viens d'envoyer 800 ou 900 euros les mecs. Ok les gars, on part sur un second live là maintenant tout de suite et on est avec Bengouz. Alors pourquoi? Parce qu'il nous vend des vêtements à pas cher. Vous voyez, c'est bien hein, de faire l'américain, de claquer des 500 balles dans des paires, mais c'est aussi pour vous montrer que Vogt, c'est pratique pour réaliser de très bonnes affaires et trouver des vêtements à pas trop cher, tu vois. Et ça part direct avec un t-shirt noir, ok, avec le petit box logo Ralph Lauren en bas. Est-ce qu'on le joue? Est-ce qu'on le joue pas? À voir. Et là, il nous met un t-shirt jaune en taille médium à partir de 5 euros. Les gars, on envoie 5 balles. Franchement, ça a l'air pas trop mal. Un look un peu rétro, un peu vintage. Pas de tâche, en taille M. Franchement, si j'arrive à choper ça pour 5 balles, là, on est tout seul. Ah non, pas du tout. Il y a Valérie.ct qui a surenchéri à 6 euros. Vas-y, attendez là. Ouais, 7 direct. On slide. C'est parti. Il reste 10 secondes. 3, 2, 1. Allez. Allez, yes les gars, ça commence pas trop mal avec un t-shirt. On continue, on va essayer de rafler un maximum d'articles. Celui-là, je sais pas si vous intéresse, celui-là, je vous le mets à 10 euros. Au moins, s'il n'y a qu'une personne qui en chérit, elle aura son petit sweat pour 10 euros. La petite étiquette juste ici. Ouais, ouais, il nous intéresse mon gars, bien sûr qu'il m'intéresse. On y va à 16, on est devant là les gars pour le moment. 17, 18. Ah, ça va être la guerre. Ah, j'ai le seum, les gars. Il y avait moyen de choper ça un peu moins cher, je pense. Et Capitol qui renchérit pour 18 euros. Ah, bah finalement, il vous intéresse. Ah là là. Putain, ça surenchérit. Là, on est à 20 balles. La bonne affaire. On n'y est plus trop. Mais vas-y, on lâche pas. Allez, plus que quelques secondes, les gars. Yes! On l'a pour 20. Franchement. C'est pas trop mal. J'aurais aimé, voilà, il nous l'a lâché à 10 prix de départ. J'attends de tout recevoir. Double colis, un colis avec des paires, un colis avec de la sape. Ça va être incroyable. La vidéo continue, les gars. Oh là là, l'unboxing de folie qui nous attend, les gars. J'ai tout reçu via Mondial Relais. En vrai, c'est carré. Eh, pour 5 balles l'envoi, ben c'est plutôt du rapide, j'ai envie de dire. On commence là avec les vêtements de Bengouz qu'on vient de voir là. C'est incroyable ce petit live. Ok, pas mal le pull. En vrai, il est un peu fin, j'avoue. 20 balles, le logo Ralph Lauren en rouge est bien présent, brodé. Il a l'air vraiment stylé, bien large, le col V. Je vais vous faire des petites plans de coupe portées pour que vous vous rendiez compte du délire. Mais voilà le type de produit qu'on peut trouver. Et ça fait plaisir hein, à ce prix-là. Franchement, nickel. Et pour le second article, les gars, j'avoue, je suis un poil déçu. Parce que oui, c'est une taille médium. Le produit est authentique. Il n'y a pas de souci. 100% coton, made in USA. Mais voilà, généralement, c'est produit vintage. Alors, c'est pas une généralité ce que je dis. Mais je trouve que souvent, ça taille beaucoup trop petit. Et là, on est sur du SXS carrément. Donc, ouais, je sais pas ce que ça va donner. Porté, j'ai peur. Vous pouvez rigoler de moi dans les commentaires, les gars. Je vais devoir le revendre, mais voilà, on l'a pas acheté trop cher, 7 euros seulement. Donc, il y a même moyen de le revendre et gratter quelques euros, je pense. Et là, vraiment, les gars, c'est du n'importe quoi. On dépasse les 900 euros de sneakers achetés en live. Le temps qu'on unboxe ça, j'ai une petite annonce à vous faire. Mardi 12 septembre, je serai en live
sur Vogt à partir de 20h. On fera un premier show spécial dressing. Je vends tout à 1€. Donc voilà mes meilleurs saps. Et à 20h30, du coup, juste après, il faudra décaler sur votre application Vogt parce que je vais mettre toutes mes paires à vendre à partir de 1€. Ça va être de la folie, les gars. Quoi, on commence? Est-ce qu'on se ferait pas une paire de dunk? Allez, là, wow, c'est du délire, les gars. Ok, pas mal. Petite dunk. Encore du roi rose. Waouh, ça c'est beau, ça c'est mignon. Je pense que les filles et vos copines, les gars, elles doivent kiffer. La qualité est vraiment au maximum avec ce corps du roi et ce cuir blanc magnifique. Hein. Franchement, la broderie Nike rose, rose sur rose, ça ressort pas trop mal. Elle est bien présente. La midsole est vraiment blanche et la outsole rose. Donc voilà, pas d'effort de fait supplémentaire à ce niveau-là. Et les gars, je remarque en même temps que j'unboxe avec vous que c'est pas vraiment du corps du roi, mais plus des empiècements en cuir strié droit comme ceci à la verticale qui vont lui donner ce rendu. Mais c'est vraiment du cuir et non pas de la toile ou du tissu. Elle était au prix retail de 120€ et c'est vrai que sa cote peut tourner aux environs des 160 jusqu'à 190€. Donc il y a une vraie petite hype sur ce modèle. On l'a eu à 165 sur Vogt, c'est son prix logique, j'ai envie de dire, pas vraiment une bonne affaire non plus. Mais voilà, la paire est vraiment exceptionnelle. Je pense que les filles, vous pouvez me confirmer ça dans les commentaires. Allez, on continue les gars, qu'est-ce que c'est que ceci? Ça sera une boîte de New Balance, un nouveau modèle. L'étiquette, ok, c'est good. Les boîtes de New Balance, on est un petit peu fatigué, on va pas se mentir, toujours les boîte grise, ok, mais par contre ce que je vois à l'intérieur, c'est pas trop mal, franchement. Oh les gars, qu'est-ce que c'est ce délire? New Balance 1906 Air Protection Pack, c'est les secondes versions après les dents, denim et les empiècements en cuir superposés. Et nous, on a le coloris white et crème. Oh, magnifique. Alors, pour certains, ça peut paraître un petit peu chargé. Les semelles D2002R N Energy. Donc là, au niveau du confort, les gars, on peut pas mieux faire. La cage en plastique avec ce maintien au niveau du talon est bien présente. On a le petit logo New Balance chromé à l'arrière. Ici, l'inscription 1906D, ok, pourquoi pas. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le logo New Balance avec les lanières qui passent à travers et qui viennent attraper les lacets. C'est très original et toujours aussi bien réalisé. Les lacets style corde de bateau, ça aussi, ça change pas. Et sur la languette, le New Balance encadré, j'adore, ça maintient bien le pied. Tous ces empiècements en cuir superposés sur le upper de notre sneaker. Dites-moi encore une fois, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, franchement, j'adore. Et là maintenant, les gars, c'est le banger de cette vidéo. Je la voulais vraiment pour voir ce que ça donnait. Parce que oui, c'est pas ma taille, on est sur un 47,5, les gars. Des pieds de dinosaures qu'on va unboxer là. Mais oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce que c'est ça les gars, oh, incroyable, magnifique. Air Force One Travis Scott, le coloris Sail. C'est son meilleur coloris hein, en termes de Air Force One. Elle était ressortie dans un coloris Brown Safari. Il y en avait un petit peu de partout. Je trouvais le modèle un peu trop chargé. Ce n'est que mon avis les gars. La semelle gomme est vraiment magnifique avec l'effet jauni au niveau de la midsole. Là on a un souche comme ceci, quadrillé brillant, et de l'autre côté il sera nacré marron. Et voilà, on peut venir les changer, ils sont interchangeables avec un scratch. Oh là là, et là tu choisis lequel tu veux mettre. Ouais, on joue un petit peu à la dinette ici. Qu'est-ce qu'il y a? Les chromés métalliques, c'est mes préférés, les nacrés. Et ensuite en fait on en a que 3 différents, c'est déjà pas mal. Le Travis Scott est bien inscrit et on a une toute petite inscription à
l'arrière du plateau. La qualité de la toile aussi est vraiment bonne. Alors après, c'est vrai que ça va crise un tout petit peu au niveau de la toe box, mais je pense que c'est pas pire que des empiècements en cuir, tu vois ce que je veux dire. Et encore une fois, Travis Scott, il adore rajouter des détails, et là c'était les prémices du fameux souche à l'envers, et là il est venu nous retourner la broderie Nike Air, et il est venu nous rajouter encore des petits aglets coincés, pris dans les lacets, magnifique. Le logo Cactus Jack lui aussi superposé, donc voilà, tu peux l'enlever si jamais ça te gêne. Alors c'est vrai que neuf aujourd'hui sur StockX par exemple, la valeur a complètement explosé, on dépasse les 1000-1200 euros, et là de l'avoir chopé dans une taille qui cote assez, qui cote énormément même, j'ai envie de dire, à 550 euros, je pense que même dans cet état, c'est toujours son prix. On s'amuse avec nos sneakers, nos humeurs, on change les souches, mais j'avoue que soit le marron, soit le chromé métallique, oh là là, incroyable, une fois qu'ils sont bien apposés sur la paire, j'adore. Hein. Mais ma vente aux enchères en live commencera du coup à partir de 20h ce mardi, les gars, soyez à l'heure parce que vraiment, je vais dégainer des produits de fou, vous n'êtes pas prêts. Hoodie Supreme Motion Logo comme neuf, ici on aura un pull col roulé Stone Island, regardez-moi cette dinguerie les gars, il est beaucoup trop beau, beaucoup trop chaud, incroyable ce pull. Mon zip Palm Angels vert les gars, il taille un poil trop petit, c'est du M mais ça convient parfaitement à du S, donc voilà, je peux pas la mettre sinon je me la serais gardée pour moi. Marché Noir qui m'a enfin livré tous mes articles les gars, donc voilà, j'avais eu une commande incomplète pour ceux qui suivent, hein, c'était lors de mes pires achats de l'année, incroyable. Alors ils se sont trompés de taille pour tout vous dire, ils m'ont envoyé du S au lieu du M, du coup je peux pas le mettre. Mais Théma, la dinguerie, comment il est beaucoup trop beau. T-shirt nounours style Pam Angels. Et sur les coups de 20h30, quand on aura fini de vendre tout mon dressing à partir de 1€, s'il vous plaît les gars, soyez au rendez-vous. C'est risqué pour moi. Faites grimper un petit peu les enchères, s'il vous plaît. On va décaler sur la partie sneaker pour vendre vraiment que des hits, que des bangers. Voilà, cette magnifique TN Guardian Blue. 1€ prix de départ. Je crois que sa valeur tourne aux environs des 220-230. Et pour vous, mesdames, je vous ai concocté de la Campus Bad Bunny. Voilà, elles sont d'un peluché. Regardez-moi cette beauté en taille 39,5. Et pour les fans de Jordan 1, je vous ai prévu une UNC Toe Blue complètement neuve. J'ai juste fait les lacets pour vous, les gars. Et bien sûr, une Spider-Man E-Cross The Spider-Verse. C'est une petite taille, c'est une taille 40. Complètement neuve, magnifique ça aussi. Et on terminera ce show en apothéose, en feu d'artifice avec 2 giga banger, prix de départ 1€. C'est les deux plus belles paires du moment, la Jordan 1 Union, valeur je dirais plus de 300€, voilà, ça va faire que monter. Et bien sûr ma Jordan 4 du moment, la Frozen Moment, les deux les gars c'est des tailles 44, essayez de choper ça pas trop cher, soit pour vous soit pour resell, vous faites ce que vous voulez de vos paires, mais vraiment moi il y en a une dans ma collection, c'est une obligation. Dans la description et les commentaires vous avez le lien pour télécharger Voct si c'est pas déjà fait et venir me follow, et ensuite vous allez dans produits et vous voyez très exactement la liste de tout ce qu'il y aura à vendre. Je vais pas tout vous montrer mais voilà, ça sera un show de plus de 30 pièces au total, ça va être incroyable. Mardi 20h et 20h30 on va casser la application Voct les mecs, c'est du délire. Et bien sûr on n'oublie pas de liker, s'abonner, on active la cloche et on laisse un tout petit commentaire. L'ensemble site art casquette trucker plus hoodie marron, c'est à gagner ce mois-ci, et on se voit dimanche prochain ou à mardi en live sur Voct les gars, ça va être incroyable, on est ensemble, on continue. Pff, que des dingueries sur cette chaîne.